Voilà, au nom de Viat Home, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Viat Home organise différentes conférences dans le cadre du Salon Soins et Santé. La première avait été faite par le commissaire Rimo sur les personnes âgées disparues. Ici, j'ai le tout grand plaisir de vous présenter et l'honneur de vous présenter le docteur Pelletier, Mutualité Chrétienne, qui travaille énormément tout ce qui concerne le secteur des maisons-entrepôts et qui va vous parler de la politique médicamenteuse, justement, dans ce secteur. Alors, je sais que ce n'est pas pour moi que vous êtes venu, mais pour lui. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci, Alain. Merci beaucoup, André. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs, et aussi bonjour aux personnes qui sont dans l'autre salle, puisqu'apparemment, nous sommes à la fois en direct et en différé. Donc, c'est très intéressant. Aujourd'hui, pendant l'heure du midi, je vais vous entretenir d'une thématique qui est la politique médicamenteuse dans les maisons de repos. J'espère que tout cela ne va pas vous mener à une indigestion et que vous aurez encore de l'appétit par après. Alors, généralement, j'aime toujours bien de mettre un petit peu de culture générale au départ dans mes exposés. Je pense intéressant, effectivement, de vous donner quelques chiffres sur la consommation des médicaments et sur l'impact financier, bien entendu, que ça a dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. Par après, on fera de la culture un petit peu plus scientifique. Je n'irai pas, bien entendu, dans des excès, je ne suis pas suffisamment spécialisé, mais je pense intéressant de vous donner quelques éléments sur des médicaments qui sont consommés par la personne âgée. Et enfin, nous terminerons par évoquer des pistes et des projets qui sont déjà en cours pour améliorer effectivement cette politique médicamenteuse dans le secteur. C'est également valable, bien entendu, dans le secteur du domicile. Alors, en termes de culture générale, vous savez que quand on travaille dans une mutualité ou quand on travaille en assurance maladie et invalidité, on aime bien parler de budget. Enfin, je pense que les budgets sont des choses qui vous intéressent aussi. Et donc, si vous savez que le budget assurance maladie et invalidité, au total, est d'une trentaine de milliards d'euros, eh bien, il y a 4 milliards 200 à peu près qui sont consacrés aux médicaments dans l'ensemble de ce budget. Alors, l'évolution de ce budget depuis quelques années, vous allez constater, par exemple, qu'entre 2011 et 2012, il y a une évolution à un trend à 0% de ce budget. C'est bien entendu dû aux mesures que, au niveau politique, nous prenons, au niveau de l'assurance maladie et invalidité, nous prenons pour essayer de faciliter l'utilisation des médicaments génériques, dont des médicaments qui coûtent effectivement moins cher à l'assurance maladie. Vous voyez qu'également, en termes de classification par rapport à d'autres pays au niveau de l'Europe, eh bien, nous dépensons environ en moyenne 374 euros par habitant, ce qui nous situe à la troisième position de ces pays européens. Alors, dans les médicaments qui provoquent des dépenses, quels sont ceux qui provoquent le plus de dépenses? Alors ici, ce sont des chiffres qui viennent uniquement des pharmacies qui sont ouvertes au public. Et alors, vous avez, dans les 157 classes de médicaments qui existent, 29 de ces classes qui provoquent 80% des dépenses à elles toutes seules. Et dans les premières que vous retrouvez, bon, il y a bien entendu les immunosuppresseurs, mais ça, c'est parce que ce sont des médicaments très, très chers. Mais en deuxième classe, vous avez immédiatement ce qu'on appelle les médicaments contre le cholestérol. Et donc, vous voyez qu'ils participent à peu près pour 10% des dépenses dans le secteur des pharmacies, des officines. Vous avez également les antidépresseurs, avec 133 millions de dépenses. Et enfin, vous avez des antipsychotiques. Et alors, également, élément intéressant, tous les médicaments qui sont prescrits dans le cadre des gastrites, des reflux œsophagiens et des œsophagites. Alors, ça, c'est pour les budgets, pour les dépenses. Qu'est-ce qu'il en est en termes, véritablement, de doses de médicaments qui sont consommées? Alors, dans le jargon, on utilise ce qu'on appelle la definite daily dose. Donc, en fait, c'est la dose d'un médicament qui est utile dans son indication principale. Et donc, on sait, par exemple, que pour tel type de médicament, il faut absolument prendre autant de milligrammes par jour. Et donc, c'est cette dose qui nous permet de quantifier quelle est la consommation de médicaments totale au niveau belge. Alors, ce qui est impressionnant ici dans cette diapositive, c'est de constater qu'on est arrivé ici en 2012 à peu près 5 milliards de DDD annuels qui sont consommés par an donc, en Belgique.
comparativement à 1998, vous voyez qu'on a doublé effectivement ce chiffre. Bien entendu, si on consomme plus de médicaments, ce n'est pas spécialement parce qu'on a envie d'en consommer plus, c'est également aussi parce qu'il y a de l'innovation au niveau des firmes pharmaceutiques et il y a des indications qui sont de plus en plus nombreuses. Alors ici, attention, je ne vous parle bien entendu que des médicaments qui sont remboursés. Il y a toute une série de médicaments, bien entendu, qui ne sont pas remboursés, qui sont payés par le patient. Malheureusement, nous ne disposons pas de données par rapport à cette consommation-là. Alors, dans les médicaments qui sont consommés, vous voyez qu'effectivement, il y en a qui sont consommés plus que d'autres. Alors, pour vous donner une petite idée, vous verrez effectivement ici, excusez-moi, voilà, vous voyez effectivement ici que si on regarde quelle est la population qui fréquente les pharmacies, les officines publiques, vous verrez qu'effectivement, il y a eu en 2012 1 550 000 personnes qui se sont présentées pour aller chercher au moins une boîte de médicaments contre le cholestérol. Vous avez environ 1 169 000 personnes différentes qui se sont présentées dans une officine pour aller chercher une boîte d'antidépresseurs. On peut continuer. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des problèmes de gastrite, par rapport à des problèmes d'œsophagite ou d'ulcère de l'estomac. Vous avez quasiment 2 millions de personnes qui sont présentées pour aller chercher un traitement dans ces pharmacies. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la relation entre la consommation de médicaments et l'âge ? Alors, il y a une étude qui a été publiée par le KCE qui montrait qu'en termes de polymédication, donc le nombre de médicaments différents qu'une personne âgée prend, et donc c'est une étude KCE de 2010, à l'époque, on parlait de 40% de personnes de plus de 75 ans qui consommaient plus de médicaments par jour. Vraisemblablement, suivant les projections que l'INAMI a faites, on en arrivera à 2012 à 50% de personnes âgées de plus de 75 ans qui consomment effectivement plus de 8 médicaments différents par jour. Alors ici, je fais état d'une étude de nos collègues de Mutualité Socialiste Solidariste, donc de juin 2013, où en termes de consommation de médicaments, on voit effectivement que même si la courbe bleue, c'est le pourcentage de population en fonction de l'âge dans la population belge, et donc vous voyez bien entendu que c'est bien entendu dégressif, mais vous voyez qu'en termes de consommation de médicaments, ce sont effectivement les personnes les plus âgées à partir de 60-70 ans qui sont les plus grosses consommatrices de médicaments. Toujours de cette étude Solidaris, ils ont regardé, analysé les chiffres qui étaient disponibles dans leurs données chez leurs affiliés. Et donc, on constate qu'en termes de consommation de médicaments, une personne de plus de 70 ans consomme en moyenne 3 fois plus de médicaments qu'un affilié, on va dire, moyen des mutualités socialistes. Alors, en termes d'études, il faut placer ça, bien entendu, dans le contexte du vieillissement de la population. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'effectivement, donc les résidents des maisons de repos, c'est 1,4% de la population. Vous traduisez ça en termes de budget qui est alloué aux médicaments pour ces personnes, ces résidents de maisons de repos. Vous voyez que ça correspond à 5,6% des dépenses des médicaments remboursables. Ce qui est interpellant, bien entendu, c'est par rapport aux projections démographiques, le nombre de lits qui sera nécessaire dans les maisons de repos, etc. Et donc, vous identifiez bien qu'également, ça aura un impact financier important, d'où probablement, c'est un des éléments, bien entendu, moteurs pour activer la réflexion sur une politique médicamenteuse dans ce secteur. En ce qui concerne les particularités de consommation de maisons de repos, je fais toujours ici référence à l'étude de nos collègues. Alors, on peut faire ce qu'on appelle une analyse transversale, ça veut dire qu'on compare une population à domicile à une population en maison de repos, mais bien entendu, on compare des pommes et des poires, c'est bien entendu ce que les mutualités socialistes disent aussi dans le résultat. Et donc, on constate qu'il y a une consommation en médicaments qui est plus importante dans les maisons de repos plutôt qu'à domicile. On constate une polymédication beaucoup plus importante. On constate des consommations d'antidépresseurs et d'antipsychotiques qui sont toujours plus importantes en maison de repos qu'à domicile. Mais donc, attention, effectivement, c'est une étude transversale. Donc, on ne compare pas des populations qui sont effectivement comparables. Et donc, sur base de cette analyse transversale qui n'est qu'une simple photo, les mutualités socialistes ont fait une analyse longitudinale, c'est-à-dire qu'elles ont pris un échantillon de leur population d'affiliés qui étaient résidents de leurs affiliés
avant qu'elles n'entrent dans les maisons de repos. Donc, ils ont regardé effectivement quel était leur profil de médicaments. Et puis, elles ont regardé quel était le profil de médicaments une fois qu'elles étaient rentrées dans les maisons de repos, hein, sur un certain laps de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on constate à ce moment-là? C'est que le fait d'être institutionnalisé n'augmente pas le volume global des médicaments qui y sont consommés. Ça n'a pas d'impact non plus sur le nombre de médicaments différents, hein, qui ont été prescrits. Par contre, ça a un impact vraisemblablement sur la qualification des médicaments. Et donc, ce qu'on constate, si on a une même consommation totale, hein, identique avant et après l'entrée, c'est qu'on a changé un petit peu le profil de médicaments. Et donc, ils font le constat sur leurs affiliés d'une augmentation des antidépresseurs et des antipsychotiques. Et par exemple, pour les antidépresseurs, pour les résidents qui sont en maison de repos, une personne sur quatre se voit prescrire son médicament antidépresseur après son entrée en institution, et une personne sur deux se voit prescrire son antipsychotique après son entrée en institution. Par contre, on compense cela, en termes de polymédication, si vous voulez, dans une diminution de prescription des antiagrégants et des médicaments contre le cholestérol. Alors, aux mutualités chrétiennes aussi, je ne vais pas faire de jaloux, hein, nous avons fait des études aussi, hein, en 2007 qui ont été réactualisées en 2011. Nous avons fait, hein, les mêmes constats par rapport, bien entendu, à ces études transversales. Mais ce qui nous avait étonné, c'est la dispersion qui existe entre les différentes maisons de repos. Et donc, bien sûr, dans les maisons de repos, il peut y avoir des populations différentes, mais quand on part d'un niveau macro, il y a probablement des choses qui sont comparables et qui devraient pouvoir essayer de trouver une explication en concertation avec les médecins prescripteurs, avec les personnes qui sont concernées. Et donc, par exemple, si vous voyez ici tout à fait à votre droite, hein, on voit la dispersion qui existe dans la prescription, la consommation moyenne des antidépresseurs dans les maisons de repos. Vous voyez qu'en termes de nombre de résidents qui sont concernés, ça va de 30 à 59%. Vous avez au milieu la colonne qui correspond à la prescription, à la consommation des antipsychotiques. Et donc là, vous voyez des variations qui vont de 9 à 35%. Et alors, vous avez tout à fait à votre droite, hein, les médicaments qu'on appelle la liste BERS. Donc ça, c'est une liste qui identifie des médicaments qu'il vaudrait ne mieux pas prescrire chez des personnes âgées. Et vous voyez que là aussi, on a effectivement des dispersions qui sont importantes entre les différentes, entre les maisons de repos. Alors, nous avions rencontré à l'époque, hein, toute une série de directions de maisons de repos pour essayer, bien entendu, de trouver des explicatifs. Hein, j'ai participé également à un groupe de travail sur la nouvelle fonction du médecin coordinateur. Et par rapport à cette problématique de consommation des médicaments dans les maisons de repos, on se retrouve toujours un peu confronté à des personnes qui se rejettent la balle. Le médecin généraliste dit oui, mais c'est le médecin spécialiste. Le médecin spécialiste dit oui, mais c'est le médecin généraliste qui devrait corriger. Le gestionnaire de l'institution, ben, il est visé par les médecins généralistes qui disent oui, mais enfin, si l'institution était mieux, probablement qu'on devrait moins prescrire de ceci et de cela. Et donc, on s'était intéressé à un des éléments qui était de dire oui, mais en fait, probablement que ce sont surtout les hôpitaux qui provoquent de la prescription. Et on s'était focalisé sur les antipsychotiques et sur les antidépresseurs. Hein, donc, est-ce que c'est effectivement suite à une hospitalisation que ces patients prennent à ce moment-là des antipsychotiques ou des antidépresseurs? Eh bien, vous voyez que les variations sont quand même très, très faibles. Et donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment l'hospitalisation qui est pourvoyeuse, hein, de prescription d'antipsychotiques et d'antidépresseurs. J'oserais pas dire la même chose par rapport aux benzodiazépines, parce que le gros problème, ça, c'est ce qu'on entend sur le terrain. Bien souvent, on entend qu'il y a des personnes qui sortent de l'hôpital qui reviennent avec des benzos. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas les quantifier puisque nous n'avons à ce jour pas encore d'enregistrement des benzos. C'est prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ici, j'ai fait une synthèse des conclusions et recommandations des deux études. Et donc, une des premières recommandations, c'est de monitorer la qualité de la prescription en maison de repos. Alors, monitorer, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'on a beaucoup de chiffres, on a énormément de chiffres, mais il faut bien entendu pouvoir les mettre en corrélation avec des diagnostics. Or, ça, nous n'avons pas. Hein, on peut les avoir par manière détournée, mais ça ne correspond pas, hein, tout à fait au diagnostic réel qui a été utilisé pour l'indication d'un médicament. Or, il faut savoir que pour des antipsychotiques ou pour des antidépresseurs, on les utilise dans des indications qui sont autres. Par exemple, comme antalgiques, on les utilise également, hein, pour combler des problématiques d'insomnie. Une recommandation, bien entendu, c'est d'avoir une médication qui colle le plus possible, on va dire, à la peau du patient, donc qui va répondre à ses besoins individuels, et de développer, bien entendu, d'un point de vue relationnel, plus de bien-être, hein, pour les personnes âgées dans ces maisons de repos. On a également mis en avant le fait d'avoir une meilleure articulation entre les soins et les médicaments, donc sensibiliser, bien entendu,
les prescripteurs et le personnel soignant quant à une consommation. Ici, c'était par rapport aux antidépresseurs, aux antipsychotiques, mais on peut avoir, bien entendu, une vision beaucoup plus large sur l'ensemble des médicaments. Renforcer, bien entendu, une formation de ce personnel soignant sur des thérapeutiques qui sont non médicamenteuses. Alors, également, mis en avant et mis en exergue, renforcer un rôle de médecin coordinateur dans la stratégie commune. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas le rôle du médecin coordinateur de s'immiscer dans la liberté thérapeutique du médecin traitant par rapport à ses choix, mais par rapport à des politiques générales de santé communautaire au sein de la maison de repos, sur des thématiques comme la démence, sur des thématiques comme l'alimentation, etc. Le médecin coordinateur a certainement un rôle à jouer en collaboration, bien entendu, avec les pharmaciens et avec l'équipe de soins. Intégrer également, ça c'est la dernière des recommandations, intégrer le rôle du pharmacien dans cette politique de gestion médicamenteuse. Alors voilà, là j'ai terminé, si vous voulez, les premiers constats, on va dire la culture générale, hein, les chiffres de l'INAMI et quelques études qui viennent de nos mutualités. Alors, ici, je vais aborder avec vous quelques éléments sur, entre guillemets scientifiques, parce qu'on ne va pas aller au fond des choses, mais donc sur la prescription de quelques médicaments chez la personne âgée. Et donc ici, je cite simplement un paragraphe qui se situe dans le préalable du formularium. Vous qui travaillez en maison de repos, vous connaissez certainement tous ce fameux bouquin qui est édité par un pharmaca. Et donc, on trouve dans l'introduction que pour avoir une politique de prescription optimale et pour limiter au mieux les effets secondaires, les points d'attention suivants donne une orientation. Alors, un des premiers points, c'est l'élaboration de priorités en fonction de l'évolution du patient. Il est clair que nous avons affaire à des patients qui sont des polypathologiques en puissance. Ils n'ont pas qu'une seule maladie. Ils sont traités pour de l'hypertension, pour du diabète, pour des problèmes de cholestérol, etc. Et donc, certainement qu'il faut établir des choix par rapport à des priorités thérapeutiques. Un deuxième élément, c'est tenir compte du rapport coût-bénéfice, et on ne tient pas compte d'un rapport coût-bénéfice financier, bien entendu, mais on tient compte d'un rapport en termes, ça c'est sympa, d'un rapport en termes d'avantage pour le patient, qu'est-ce qu'il va en retirer pour sa santé, ou bien quels seront les effets secondaires, bien entendu, des médicaments qui seront prescrits. Et enfin, il faut réévaluer régulièrement le traitement qui a été prescrit. Je pense que c'est parfois quelque chose qui est difficile. J'ai moi-même été médecin généraliste, et donc j'avais également des patients en maison de repos. Ce n'est pas toujours simple, je pense, de se donner la discipline d'aller revoir régulièrement ces schémas thérapeutiques. On sait qu'on n'est pas de garde tout le temps, on sait que le médecin de garde intervient, on sait que le médecin de garde a changé quelque chose. Et puis, bon, si les choses vont bien, on ne retourne pas voir son résident parce qu'on n'est pas appelé. On ne retrouve pas voir son patient parce qu'on n'est pas appelé. Et pendant 3-4 semaines, avant qu'on doive éventuellement renouveler les prescriptions, ben, le traitement a tout à fait changé, peut-être avec des nouveaux effets secondaires, etc. Donc, je pense qu'effectivement, là, ce n'est pas toujours simple, mais ça fait partie aussi, malheureusement, des difficultés de la vie des médecins généralistes. Alors, par rapport à cette prescription donc, chez des personnes âgées, on peut se poser la question, bien entendu, des indications de certains médicaments qu'on utilise dans la prévention primaire. Est-ce que ça vaut la peine encore de prescrire certains types de médicaments pour éviter que certaines choses n'arrivent, alors qu'on sait très bien qu'on est dans des délais d'attente par rapport à des effets qui sont très lointains. Est-ce que la médication qui est prescrite en termes de prévention secondaire a également un sens? C'est également une question qu'on peut se poser. Et donc, en termes de recommandations, je sors ici des recommandations de la Société de gériatrie et gérontologie belge, dont on verra quelques exemples dans les diapositives suivantes. Donc, prescrire chez une personne âgée, c'est arriver à un équilibre entre la maladie, entre les attentes du patient, et ça, je crois que je vais me focaliser à chaque fois là-dessus pendant l'exposé, entre l'efficacité du médicament et, bien entendu, ses effets secondaires. Alors, prenons quelques exemples. Vous avez vu les médicaments contre le cholestérol, les statines. Vous voyez qu'effectivement, on en consomme beaucoup en Belgique. Vous avez vu ce que ça provoque également au niveau des dépenses. Et donc, en termes d'évidence scientifique, et donc je me base sur un document qui est très récent, puisque ça date ici du mois de janvier 2014, donc de ce groupe de travail de la société belge. Et donc, à tout âge, on constate effectivement que quand on prescrit un médicament contre le cholestérol
on augmente la survie du patient et on diminue le risque qu'il développe éventuellement un infarctus ou bien un accident vasculaire cérébral chez des personnes, bien entendu, qui sont des personnes à risque, mais à condition qu'elles n'aient déjà pas elles-mêmes eu un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Par contre, à partir de 80 ans, dans la littérature, les choses sont beaucoup plus nébuleuses. Il n'est pas certain, il n'est pas évident, effectivement, qu'il y a encore un bénéfice pour de la prévention primaire. En ce qui concerne un médicament ou des médicaments qui sont sensibles par rapport à leur indication et par rapport au public cible des patients qu'ils concernent, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholine, ce sont les médicaments qui sont utilisés dans des maladies d'Alzheimer. Et donc, gros problème, parce qu'en termes d'évidence scientifique, il faut quand même bien reconnaître que les résultats sont très, 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 très mitigés. Donc, dans toutes les études qui ressortent, on voit qu'il y a quelques patients qui réagissent dans une stabilisation éventuellement de l'évolution de leur pathologie, mais pendant quelques mois, une légère amélioration, et quand on parle de légère amélioration pour les personnes qui connaissent le MMSE, on voit qu'on gagne un point ou on perd un point au MMSE, donc on a des différences d'un seul point au niveau du MMSE, donc le gain n'est quand même pas énorme. Alors, un des gros soucis, bien entendu, c'est que souvent, ces médicaments ont été initiés par le médecin spécialiste, et donc quand la personne arrive chez son médecin généraliste avec éventuellement son conjoint, etc., il est très difficile, je pense, pour le médecin généraliste d'aller annoncer que ce soit au patient lui-même ou que ce soit éventuellement à son conjoint ou à la famille, de dire que tout d'un coup, on va arrêter le médicament de la démence. Donc, c'est quand même effectivement un fameux couperet qui tombe et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer. D'où la recommandation de ce groupe de travail, bien entendu, de dire la prescription de ce type de médicament, elle a peu de sens lors de la prise en charge en institution. Et de demander aux médecins spécialistes d'être très vigilants dans leurs indications et de déjà prévenir le patient et l'entourage du fait qu'à un moment donné, on va arrêter ces traitements. Je peux vous dire que l'évidence scientifique est tellement faible qu'en France, on envisage de retirer le remboursement de ces médicaments. Alors, des médicaments qui sont souvent utilisés aussi par rapport à l'hypertension artérielle chez des personnes âgées. Vous avez quelques études également de grande importance qui sont sorties. Donc, on parle effectivement ici des chiffres de la systolique, donc les chiffres de la tension haute. Quand vous avez du 14,9, c'est le 14 qui est pris en considération. Et donc, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut effectivement diminuer ces chiffres? Et donc, vous avez une étude de grande envergure qui est l'étude de Leiden, où on constate qu'en diminuant pas trop effectivement les chiffres de la systolique, on a une meilleure évolution des actes de la vie quotidienne et une amélioration du MMSE. Et naturellement, quand on diminue trop ce chiffre systolique, vous savez bien qu'on peut provoquer ce qu'on appelle des hypotensions orthostatiques, et donc les patients font des chutes avec toutes les conséquences, bien entendu, que cela peut avoir. Médicaments importants également, les antidépresseurs, toujours suivant cette analyse de ce groupe de travail. 25% des personnes âgées à domicile signalent effectivement qu'elles souffrent de symptômes dépressifs, mais 1 à 9% peut être estimé effectivement comme souffrant de dépression majeure. Dans les maisons de repos, on estime ce pourcentage à entre 10 et 22% suivant la littérature. Il faut savoir quand même que effectivement, la dépression est un diagnostic qui est très, très, très difficile, mais que c'est la gravité de cette dépression qui mène à poser des indications de traitement. Également savoir que les antidépresseurs sont utilisés dans des autres indications, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, et donc on peut les utiliser dans certaines douleurs ou bien dans certaines problématiques dans l'insomnie, dans certaines problématiques de douleur. Et donc le groupe de travail en arrive à faire le constat qu'il y a un manque d'évidence sur l'utilisation de ces médicaments. Il y a un manque d'études, surtout sur ce qu'attendent les patients et les résidents en fait, dans les maisons de repos de ces médicaments et qu'attendent aussi les institutions éventuellement elles-mêmes de l'impact de ces médicaments sur leurs résidents. On constate qu'il y a beaucoup de traitements qui sont initiés, mais qui ne sont pas poursuivis. Et donc ça, c'est la question, bien entendu, de est-ce qu'il y a eu un bon diagnostic? Quelle a été l'adhésion du patient? Est-ce qu'il y a eu trop d'effets secondaires? Donc il y a un tas de questions qui sont soulevées par rapport à cela, puisqu'on sait très bien que normalement, un traitement antidépresseur est quelque chose qui doit se prendre sur un minimum de temps, durant une durée minimale, en tout cas. En ce qui concerne les benzodiazépines, alors j'ai mis dormir et tomber,
C'est le reflet d'une étude française ici en 2008, où les personnes âgées qui prennent de plus de 80 ans, qui prennent des benzodiazépines, vous constatez que ça provoque environ 20 000 chutes avec une certaine gravité chez ces personnes âgées et serait responsable indirectement de décès de 1 800 patients. La recommandation est d'arrêter les benzodiazépines. Alors, arrêter les benzodiazépines, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est clair qu'il faut mettre en place des alternatives de soutien. Et une des recommandations, c'est s'il faut quand même utiliser des benzodiazépines pendant une phase transitoire, c'est si possible utiliser les doses les moins élevées possibles, choisir des benzodiazépines de durée d'action intermédiaire, les benzodiazépines, c'est Xanax, Temestay, tous ces machins-là. Et donc, en fait, vous savez qu'il y en a qui agissent très longtemps. Si vous prenez quelque chose qui agit très longtemps, vous allez avoir un patient qui est endormi jour et nuit. Par contre, si vous en prenez une qui a une action très, très courte, le patient va dormir pendant 3-4 heures et tout d'un coup, il va se réveiller au milieu de la nuit quand éventuellement, il n'y a qu'une seule personne qui est de garde dans la maison de repos. Ce n'est pas l'idéal non plus, donc probablement qu'il faut plutôt choisir pour une formule intermédiaire. Voilà. Je clôture ici ces quelques aspects un peu plus critiques sur la prescription de médicaments chez la personne âgée. Donc, un leitmotiv, attention, personne âgée, soyez vigilants à la prescription et également, bien entendu, aux souhaits du patient. À votre santé. Voilà, nous avons fait quelques constats, un peu de culture générale. Est-ce qu'on va vers une meilleure politique médicamenteuse? Et si on y va, pourquoi est-ce que nous voulons y aller? Alors, j'avais d'abord commencé par limiter la polymédication, etc. Mais je reviens toujours, je pense qu'il faut mettre le patient toujours en avant dans l'histoire. Et donc, je crois qu'un des leitmotifs, c'est préserver l'autonomie, améliorer la qualité de vie du patient et, si possible, en toute évidence, respecter ses choix. D'un point de vue médical, c'est limiter la polymédication, parce que qui dit polymédication dit bien entendu interaction, effet secondaire, tout devient un petit peu plus difficile à contrôler. Améliorer l'observance thérapeutique, qui dit médicament bien indiqué, médicament bien supporté, dit aussi que le patient adhérera bien entendu plus facilement à prendre ce médicament s'il en voit les effets. Alors, il y a également, d'un point de vue santé publique, les impacts sur le coût, sur le gaspillage de cette consommation, mais aussi sur les effets indirects de la consommation de certains médicaments. On l'a vu, des hospitalisations qui sont liées à des chutes, qui entraînent des fractures de hanches avec des prothèses de hanches, etc., avec des revalidations qui coûtent effectivement fort cher à la société. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? Agir, on va pouvoir agir, bien entendu, pour avoir un médicament, quand il est remboursé, il faut avoir une prescription. On peut demander également au patient lui-même d'avoir une action et on peut agir vers lui-même et vers son entourage. On peut agir sur la délivrance et sur la préparation des médicaments. Et l'institution peut avoir un rôle, bien entendu. Et je vous propose de survoler ces différents points d'attaque de la prescription. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut agir au niveau de la prescription? On peut agir sur ce qu'on appelle l'over-prescribing, le mis-prescribing ou l'under-prescribing. Alors, l'over-prescribing, ça veut dire quoi? C'est quand vous avez un patient et en fait, vous prescrivez un médicament, mais en fait, il n'y a pas d'indication. Donc, c'est l'absence d'indication d'un médicament prescrit. Ou bien, on prescrit le médicament pendant une durée exagérée. Donc, par exemple, pour des médicaments qu'on utilise dans les problèmes de gastrite ou d'ulcère à l'estomac, les IPP, on sait bien aussi qu'on n'a pas intérêt. Il n'y a pas d'intérêt thérapeutique à prolonger indéfiniment effectivement cette prescription. On a aussi les problématiques de surdosage. Si vous donnez un dosage trop important de médicaments, c'est ce qu'on appelle de l'overprescribing. Alors, il y a le misprescribing. Ce n'est pas la prescription qui est fausse, mais c'est la prescription qui, qualitativement, entraîne plus d'ennuis que d'avantages. Et alors, il y a ce qu'on appelle l'underprescribing. C'est le fait que le patient présente effectivement une pathologie et on n'a pas fait la prescription. Et donc, on peut effectivement agir sur ces trois spécificités. Qui est-ce qui est concerné? Alors, c'est de nouveau mis, je pense, la première personne qui est concernée par la consommation de ces médicaments, la prescription des médicaments, c'est le patient. Et j'ai mis le patient éclairé. Et informer un patient sur le médicament, son indication, les avantages, les intérêts, ce qu'il va devoir éventuellement endurer comme effet secondaire, etc., ça prend du temps.
Mais c'est quelque chose qui est effectivement indispensable. Je crois aussi qu'il faut respecter le libre choix du patient. Si le patient n'a pas envie de modifier son taux de cholestérol parce qu'on lui apprend qu'effectivement, ça ne modifierait que d'autant ceci ou que ça ne modifierait que d'autant cela, peut-être qu'effectivement, il aura le libre choix de dire « Moi, je n'ai pas envie d'avoir les effets secondaires de ça, je fais mon choix, je ne veux pas de votre médicament contre le cholestérol. » Il faut bien l'informer, bien entendu, pour qu'il ait l'information complète. Pour certains types de médicaments, sans doute aussi informer les aidants proches, mais là, je crois que c'est effectivement au médecin traitant et de voir quelle est l'opportunité d'informer soit les aidants proches, soit le conjoint de la thérapie qui est prescrite. Alors, j'ai mis le médecin spécialiste avant le médecin généraliste. Vous avez vu la problématique de certains médicaments qui ne sont soumis effectivement parfois qu'à la prescription du médecin spécialiste. Ou bien les médecins spécialistes qui ont, ils sont ou bien cardiologues, ou bien ils sont rhumatologues, et donc ils sont dans leur consultation de cardiologie ou de rhumatologie, et ils oublient peut-être parfois d'avoir cette approche globale, effectivement, du patient. Ils n'ont pas non plus de vision du mode de vie du patient, ce que le médecin traitant, ce que le médecin généraliste a. Et donc je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les médecins spécialistes à prendre contact avec le médecin généraliste s'il envisage d'instaurer un traitement qui est un traitement effectivement avec pas mal de conséquences potentielles sur le planning thérapeutique complet du patient. Le médecin généraliste, rôle central sur les diagnostics, sur l'indication. Et alors j'ai mis, vous voyez, réévaluation de ce qui est, et j'ai mis le proposé entre guillemets, parce que ce qui est proposé par le médecin spécialiste lors de la consultation avec le patient chez ce médecin spécialiste, c'est difficile de revenir en arrière après, on l'a vu par rapport à des médicaments prescrits dans le cadre de la démence. Alors un rôle qui va et qui devrait devenir de plus en plus important, c'est l'implication du pharmacien comme conseiller pharmacologique. Il existe une multitude de molécules différentes. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Le médecin généraliste n'est pas obligé, les médecins spécialistes ne sont bien entendu pas obligés de connaître l'ensemble des particularités de ces médicaments. Mais ils font usage quand même de pas mal de molécules différentes et en connaître toutes les spécificités est quelque chose de très difficile. Généralement, on connaît très bien les effets secondaires qui sont repris dans les posologies, etc. Ce qu'on connaît moins bien, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc vous savez que les médicaments sont métabolisés et en fonction de l'endroit où ils sont métabolisés, ils ont une influence sur le métabolisme d'un autre médicament. Ce qui veut dire que si vous prescrivez, par exemple, un certain médicament qui augmente l'action d'un autre médicament, vous devriez revoir, bien entendu, votre dosage à la baisse. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va devoir rentrer dans les habitudes. C'est cette concertation entre le pharmacien et le médecin généraliste, même le médecin spécialiste, par rapport à ces données d'interaction pharmacocinétique entre les différents produits. Le pharmacien peut avoir, bien entendu, aussi un rôle dans l'impact financier de ce coût de médicament, à la fois pour la sécurité sociale, l'assurance maladie, mais également pour le patient, bien entendu, puisqu'il y a de temps en temps des tickets modérateurs. Qui peut encore agir au niveau de la prescription ? Dans le secteur des maisons de repos, bien entendu, l'infirmier, l'équipe soignante, les aidants, dans le sens où ce sont les yeux des patients, c'est le regard sur le patient. Le médecin généraliste, je vous l'ai dit, il passe de temps en temps à la maison de repos. Ça ne fait pas partie de ses patients les habituels, on va dire, du domicile. Et donc, je pense qu'il est important qu'effectivement, l'équipe soignante puisse garder ce regard et informer le médecin généraliste de ce qu'il constate. C'est un élément important. Actuellement, le personnel soignant prépare également les médicaments, mais on ira vers d'autres développements. L'assurance maladie et ses acteurs. Je vous ai évoqué le problème des médicaments démence en France avec un éventuel retrait du remboursement. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir peut-être parfois le courage de dire s'il n'y a pas suffisamment d'évidence scientifique ou en attendant qu'il y ait une évidence scientifique, de limiter certainement les prescriptions ou d'en limiter les remboursements. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, je crois qu'elle a un rôle important, bien entendu, puisque ce sont eux les concepteurs des médicaments. On constate que dans les molécules qui sont mises sur le marché, je prends par exemple l'exemple des anticoagulants de nouvelle génération,
Ces médicaments, la population cible, c'est pas mal de personnes âgées, c'est même le plus gros groupe, on va dire, hein, de leur population cible. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on va fouiller dans les études qui ont été effectuées, dans toute la période d'analyse des médicaments avant de les mettre sur le marché, ben, les cobayes, entre guillemets, sont rarement des personnes âgées. Donc, on peut se demander alors quelle est la valeur effectivement scientifique de ces études lorsqu'on prescrit 80% des médicaments, c'est des personnes âgées et qu'on ne les a testés que sur 15% de la population de l'échantillon étudié. Alors aussi au niveau des firmes pharmaceutiques, je crois qu'il est important d'introduire des demandes d'indication qui sont démontrées, de les introduire au remboursement. J'ai évoqué tantôt des médicaments antipsychotiques ou des antidépresseurs qui peuvent être utilisés dans des autres indications que leur indication originale. Je pense que la firme pharmaceutique doit introduire les dossiers plutôt que de parfois laisser certains médicaments sans remboursement, à payer à 100% effectivement à ce moment-là par le patient. Alors, comment est-ce qu'on peut aider à, on va dire, optimaliser la prescription? Il y a des référentiels, bien entendu, qui existent. Il y a les sociétés scientifiques. Il y a la Société scientifique de médecine générale, hein, qui informe, par exemple, les médecins généralistes sur différentes thématiques. Il y a des banques de données sur ce qu'on appelle les recommandations de bonnes pratiques, les evidence-based medicine, hein, avec un site qui s'appelle EBM PracticeNet, avec cette bibliothèque CBAM qui regroupe énormément de littérature. Mais vous voyez que j'ai mis une astérix et que j'ai mis un triangle. Pour quelle raison? Mais il faut savoir qu'une des grosses problématiques de l'evidence-based, hein, ou des recommandations de bonnes pratiques, c'est qu'elles sont monopathologiques. Et donc, on en arrive à avoir une recommandation pour la prise en charge de la dépression, pour la prise en charge du diabète, pour la prise en charge de ça. Et peut-être que quand vous faites la synthèse ou que vous essayez de faire la synthèse de ces recommandations de bonnes pratiques pour votre patient qui présente les différentes pathologies, eh bien, vous en arrivez à des inepties qui vous font que vous n'en sortez plus dans vos prescriptions parce que ces recommandations de bonnes pratiques peuvent éventuellement se contredire sur des indications. Alors, il y a un mouvement maintenant pour essayer de sortir des recommandations de bonnes pratiques à visée de patients âgés, de patients complexes, de malades chroniques et polypathologiques. Stop et Start, ça c'est un outil vraiment pour la prescription médicamenteuse pour le médecin. Alors le stop, c'est toute une liste de médicaments pour lesquels, si vous l'avez prescrit, ben, vous recevez effectivement un signal comme quoi il vaudrait mieux l'arrêter, parce qu'il n'est pas indiqué chez la personne âgée. Et alors, vous avez le start, mais ça, c'est un signal qui vous dit par rapport à ce que vous avez enregistré dans l'outil, que votre patient présente tel risque ou telle pathologie, etc., et qu'il faudrait effectivement peut-être y associer tel nouveau médicament. La liste de Beer, c'est également un outil de médicaments qui sont à éviter chez les personnes âgées. Je vous ai évoqué le formularium, livre que vous connaissez. Et petit à petit, on va se mettre en place effectivement des logiciels qui sont intégrés au niveau des dossiers médicaux électroniques des médecins. Alors, la ministre, Madame Onkelinx, la ministre de la Santé publique, l'INAMI, vous avez vu les mutualités, enfin tous ces gens se penchent bien entendu sur cette problématique de la prescription de la consommation médicamenteuse dans les maisons de repos. Les médecins traitants aussi, les sociétés scientifiques aussi, les sociétés de médecins coordinateurs ou les associations de médecins coordinateurs aussi. Donc tout le monde s'y met. Et donc on se dit qu'il ne faut pas rester inactif. Et donc l'INAMI a mis en place une expérience pilote dont certains d'entre vous ont certainement eu des échos. Une expérience pilote qui vise à mettre en place la concertation médico-pharmaceutique. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est les objectifs que je viens de décrire depuis le départ. C'est d'arriver à une prescription rationnelle et efficiente des médicaments dans les maisons de repos, avec un impact, bien entendu, au niveau des volumes qui sont prescrits et au niveau des dépenses. Mais tout cela, bien entendu, en améliorant la qualité de prescription pour le patient et la qualité de vie pour le résident. Et donc, l'INAMI a intégré ça dans ce qu'on appelle un article 56. Un article 56, ben, c'est un budget pour une expérience pilote qui doit être accompagné d'une équipe scientifique. Et donc, l'objectif premier est de voir s'il est effectivement possible d'implémenter cette concertation entre le médecin et le pharmacien
et le personnel soignant dans les maisons de repos? Est-ce qu'il y a un certain degré d'acceptabilité de cette modalité? Et qu'est-ce que ça a comme effet sur la qualité de la prescription individuelle? 30 institutions ont été contactées, ont été retenues comme candidates pour participer à ce projet pilote qui va durer 3 ans, pour lequel un budget de 600 000 euros a été développé. Et donc l'objectif est bien d'avoir une concertation entre le médecin traitant du patient, le pharmacien, le responsable des soins, donc généralement ça sera l'infirmière responsable, éventuellement en demandant la collaboration du médecin coordinateur, en sachant que le médecin coordinateur n'a pas d'impact, bien entendu, sur la prescription individuelle du médecin traitant. Et donc, dans chaque institution qui ont été sélectionnées comme étant candidates, il y aura une concertation pour un groupe de 35 patients au minimum. Il y a une équipe scientifique avec des experts, Madame Spinewin, par exemple, pour ne pas la citer, c'est quand même quelqu'un qui est très connu en termes de pharmacologie clinique. Et donc, dans cette équipe scientifique, on leur a demandé, à l'issue, bien entendu, de cette expérience pilote, de formuler toute une série de recommandations. Il y aura des recommandations sur le formularium tel qu'il existe maintenant, le formulaire MRS, à quoi est-ce qu'il doit ressembler et comment est-ce qu'il doit être modifié sous forme informatisée. C'est quoi le contrôle de la qualité dans la politique médicamenteuse dans les maisons de repos? Évoquer des approches non médicamenteuses et alors définir un modèle d'accord de collaboration entre les différents prestataires qui sont les partenaires qui sont concernés. Alors un autre élément pour agir sur la prescription, c'est l'information vers les médecins prescripteurs. Alors on a énormément de données, depuis des années également donc au niveau de l'INAMI, et c'est ce qu'on appelle les feedbacks de l'INAMI vers les médecins généralistes à titre individuel. Donc ils reçoivent leur profil de prescription et ça leur permet de se situer par rapport à des moyennes nationales ou bien par rapport à des moyennes d'arrondissement. Et il y a également maintenant, c'est assez récent, des données qui sont disponibles au niveau des groupes locaux multidisciplinaires. Donc en fait, les groupes locaux de réflexion médicale des médecins, ce sont des médecins généralistes qui se réunissent et qui discutent d'une thématique. Et donc ici, c'est Pascal Meius qui tire toutes ces statistiques au niveau de l'INAMI. Alors vous voyez, je commence directement en disant ça permet simplement de se situer, mais ce n'est pas un contrôle de l'INAMI. À chaque fois qu'on met quelque chose en place à partir de l'INAMI, que ce soit IEL, il faut que ce soit des données ou des feedbacks, on a un petit peu l'impression que l'objectif premier est de contrôler. Non, l'objectif premier est de fournir des données et que le secteur puisse se les approprier, que les médecins et que les experts puissent se les approprier et puissent les interpréter de façon effectivement à arriver eux-mêmes à une série de recommandations sur des procédures qualitatives de prescription. Alors, voici par exemple à quoi ça ressemble par rapport aux groupes locaux. Je m'excuse, la diapositive est en néerlandais parce qu'elle a été présentée à Anvers il y a quelques semaines. Donc, vous avez ici 2 groupes locaux de médecins généralistes avec Anvers 1437, c'est un de ces groupes locaux. Anvers 117, c'est un autre groupe local de médecins généralistes. Il y en a 2 à Anvers. Alors, vous avez tout au-dessus le percentile 50. Ça, c'est la moyenne de la prescription, on va dire, au niveau national. Et alors, en dessous, vous avez toute la série de cette moyenne, on va dire, de prescription au niveau du Brabant Wallon, de Bruxelles. Donc, il y a différentes provinces qui ont été reprises. Alors, voilà, ce sont simplement des constats. Donc, ce sont des constats de profil de prescription. Il n'y a pas du tout d'interprétation là derrière. On a simplement mesuré ce qui avait été prescrit par les différents médecins qui adhèrent à ce groupe local. Et donc ici, vous avez le pourcentage des patients de 75 ans ou plus qui ont reçu une prescription d'antidépresseur. Et vous voyez par exemple que pour le cercle, pour le groupe local Anvers 1437, on est à un percentile de 16,6%, donc à une moyenne de 16,6%, alors qu'au niveau national, on est plutôt dans les 24,3%. Et vous voyez qu'il y a des grosses différences effectivement au niveau provincial, à Namur, avec des 33%. Ce qu'il faut faire avec ça, c'est au sein des groupes locaux, puisqu'on peut aller très loin tout en étant anonyme, c'est de dire mais pour quelle raison est-ce que notre groupe local prescrit éventuellement plus que le groupe local à côté alors qu'on a la même population cible. Et par exemple, ici à Anvers, il y avait un des médecins généralistes
qui était actif dans une institution psychiatrique. Et donc, bien entendu, son profil de prescription faisait augmenter, bien entendu, très fortement le profil de prescription du groupe local. Ce sont des instruments intéressants à mettre à disposition et à interprétation des médecins traitants. Le patient, son entourage, je l'ai dit, ça doit être un patient qui est éclairé, son entourage éventuellement. Il faut respecter le libre choix de son projet de vie, et donc ça demande une information individuelle. Ça demande aussi une discipline du patient. On connaît tous, moi-même, pour avoir été médecin traitant, le patient qui veut absolument avoir un médicament en sortant de la consultation. Quand il sort de la consultation et qu'il n'a pas reçu une prescription pour avoir une boîte de médicaments, trop souvent, le patient pense encore qu'il n'a pas été suffisamment bien soigné. Donc, ce qui veut dire que c'est un devoir d'information et un investissement dans l'information du médecin traitant, également, on le verra dans le cadre de campagnes d'information. Aussi, une certaine intransigeance du médecin généraliste. C'est pas facile face à cette demande de dire non. Et c'est pas facile non plus, pourquoi ? Parce que on constate malheureusement que si un médecin dit non, son confrère un peu plus loin va dire oui, et tout compte fait, le patient aura quand même sa prescription. Donc je crois que c'est une approche corporatiste qu'il faut avoir par rapport à ces prescriptions et aller tous dans le même sens. Alors en ce qui concerne les campagnes d'information et de sensibilisation, en grand angle, elles ont bien entendu effectivement leur effet, par exemple sur les prescriptions d'antibiotiques. On voit qu'effectivement, dans les données dont on dispose, qu'il y a un effet freinateur, mais malheureusement, il faut renouveler fréquemment ce genre de campagne parce que ça redémarre petit à petit. Ça redémarre de façon moins importante, mais ça a toujours tendance à redémarrer. Donc, il faut insister sur ces campagnes de sensibilisation. Au niveau de la délivrance et de la préparation, j'ai parlé du rôle du pharmacien. Je crois que le pharmacien, il a la vision globale du plan thérapeutique du patient, puisque c'est lui qui pourra voir effectivement tout ce que prend comme médicament son patient, à la rigueur que ce soit prescrit ou pas prescrit, donc les médicaments remboursés et les non remboursés. J'insiste tout de suite en disant que le pharmacien n'a bien entendu pas de rôle dans l'indication thérapeutique, mais c'est à lui à dépister les interactions néfastes entre les différents médicaments et à jouer également sur ses impacts pharmacocinétiques. Et donc, ça demandera, et de plus en plus, une communication interactive, et je dis bien interactive, avec le médecin. Donc, il faut que les deux soient ouverts à la réceptivité de messages qui pourraient venir du pharmacien par rapport à la prescription du médecin traitant, pas sur l'indication, mais sur les effets secondaires avec les autres médicaments, par exemple. Il assure, bien entendu, la qualité, que ce soit en termes de conservation des médicaments, sur la spécificité de la prise, il y a certains médicaments qui doivent être pris à tel moment de la journée, pas en association avec type d'aliments, etc. Ce sont des choses qu'on oublie parfois, et donc ce sont des éléments qui peuvent être apportés par le pharmacien, le rapport économique, je l'ai évoqué également tantôt. Il a un rôle dans la délivrance optimisée en termes de sécurité, en termes de traçabilité, et donc on en vient à évoquer quelque chose qui va rentrer dans le secteur des maisons de repos à partir du 1er janvier 2015. En tout cas, c'est ce qui est formulé dans les arrêtés royaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle la préparation médicamenteuse individualisée. Et donc, vous avez la définition qui se trouve ici. Donc, on va partir en fait du système boîte au système blister, à aller véritablement vers la préparation de soit ce qu'on appelait maintenant les piluliers, soit vraiment vers des sachets individualisés un matin, midi et soir. Et donc, vous avez, par exemple, vous connaissez sans doute, vous avez déjà vu ces fameux robots dans lesquels on introduit toute une série de médicaments. On peut introduire, si mes souvenirs sont exacts, de 400 types de médicaments, des comprimés, bien entendu, pas des solutions. Et donc, vous introduisez via informatique, depuis la maison de repos, quel est le planning thérapeutique de vos résidents, et tout ça est transféré automatiquement vers le robot, et le robot distille et prépare tous les petits sachets qui sont distribués matin, midi et soir. Alors, par rapport à ça, il faut savoir que les textes ont été adoptés au comité de l'assurance du 17 février, donc c'est tout frais. Donc aussi, il a fallu faire pas mal de changements. Il y a 6 arrêtés royaux qui sont produits, et on va également aller ici, bien entendu, vers une tarification à l'unité. On a constaté qu'il y a pas mal de boîtes qui sont prescrites et puis qui ne sont pas utilisées complètement, donc c'est du gaspillage. Et donc, on va effectivement aller vers une production
Hein, on va demander aux industries pharmaceutiques probablement d'aller vers une production de containers comme on les a dans les hôpitaux. Hein, ce ne sont plus des boîtes individuelles, mais c'est carrément des containers. Et donc, ça permet d'alimenter, bien entendu, ce genre de robot. Ça n'interdit pas, bien entendu, aux pharmaciens de continuer une préparation individualisée avec des piluliers. Mais vous imaginez bien, je pense qu'il sera difficile de retenir l'impact de ces robots sur la préparation médicamenteuse. Dans la délivrance des médicaments, il y a un rôle des infirmiers, donc il y a le soutien à l'observant. Je pense qu'à partir du moment où le patient est éclairé, etc., et qu'il y a un bon contact entre le médecin traitant et l'infirmière, généralement il est très bon, puisque hein, c'est effectivement l'infirmière, ce sont les yeux du médecin dans la résidence. Et donc, ce soutien à l'observant, c'est important. Ça veut dire qu'il va falloir encourager, bien entendu, le patient qui a fait le choix et qui a accepté de prendre le traitement, l'encourager à continuer, sauf si éventuellement, bien entendu, il y a des effets secondaires qui sont à relier vers le médecin traitant. Supervision de la prise, c'est voir s'il est pris au bon moment. Ce n'est pas spécialement le contrôle de la prise que j'évoque, bien entendu, ici. Au niveau de l'institution, respect du libre choix du patient et de son projet de vie. Je pense qu'on a tous, dans des résidences, des patients qui sont un petit peu plus agressifs, des patients avec des comportements un petit peu plus difficiles, etc. Hein, on sait qu'il y a effectivement des thérapies qui peuvent être des camisoles et qui permettent, on va dire, une meilleure vie au sein des maisons de repos. Donc, par rapport aussi à certains médicaments qui n'ont rien à voir, on va dire, avec des problèmes de comportement, etc., ben, peut-être que le patient ne souhaite pas les prendre non plus. Je crois qu'il faut toujours avoir ça en termes de priorité, même si j'imagine très bien que ce n'est pas facile, que ça demande des développements par ailleurs, et on les verra. Donc, le rôle du médecin coordinateur, je l'ai dit, pas en termes de prescripteur individuel vis-à-vis des résidents, mais par rapport au fait qu'il est un acteur de la médecine communautaire orienté sur la personne âgée. Le personnel soignant, je crois qu'il faut que vous donniez des formations et de l'information à votre personnel soignant sur l'importance des médicaments et également sur le bon usage. Je pense que le médecin coordinateur peut être intégré là-dedans. Le pharmacien peut effectivement avoir son rôle. Je crois aussi qu'il y a, en dehors du personnel soignant, il y a le personnel qui a le plus souvent le plus de contact avec les résidents. À domicile, c'est comme ça aussi. Hein. C'est bien souvent, on va dire, l'aide ménagère ou bien la technicienne de surface ou l'aide logistique qui va avoir effectivement le droit à certains éléments qui ne sont pas dits au personnel soignant. Je pense que ce n'est pas son rôle, bien entendu, de venir faire simplement du transfert. Mais enfin, quand il y a des choses importantes qui peuvent attirer l'attention, je pense qu'effectivement, un personnel autour du patient qui est bien informé peut relayer certains éléments qui sont importants dans la prise en charge thérapeutique de votre résident ou du patient. Alors, je mets aussi relais des consommations constatées. Il y a des ventes libres de médicaments. Et donc, vous savez que les familles sont parfois amenées à apporter à la résidence des médicaments. Hein, c'est la même chose chez les patients diabétiques, où on voit que la famille vient avec un kilo de raisin ou bien avec une grosse tarte. Hein, donc, ce sont des choses qu'il faut essayer de, entre guillemets, discipliner. On sait bien que ce n'est pas simple, mais une bonne information à ce moment-là de l'entourage permet d'éviter ce genre d'écueil. Les approches non médicamenteuses. Alors, la démence, il y a tout ce qu'on appelle le savoir-être avec le patient dément. On verra, il y a aussi certaines normes architecturales. Pour la dépression, il y a toute l'importance pour des personnes qui sont isolées, l'importance du lien social, les animations qui doivent être mises à disposition. Les problématiques de sommeil, c'est quand même souvent évoqué. Donc, il faut essayer de réintroduire un rythme circadien pour vos patients. Il y a une certaine hygiène de vie à adopter en termes d'alimentation et l'activité physique est bien entendu également un élément important. Au niveau des animations, on a de plus en plus de technologies qui nous envahissent. Alors attention, la technologie ne remplace pas le lien social, mais je pense en tout cas qu'elle peut y contribuer. C'est plus froid, c'est tout ce qu'on veut, mais quand on voit par exemple qu'il y a des développements maintenant via des téléviseurs, et donc je ne parle pas de plaquettes, de PC, etc., je parle de téléviseurs. Pourquoi les téléviseurs? Parce que ça, je sais bien que dans chaque chambre d'un résident, il y a une télé, et qu'à domicile, chez des personnes âgées, il y a des télés. Alors avec des tablettes, c'est bien, mais attendez encore 10-15 ans, et au moins les personnes âgées sauront les utiliser.
Et donc, il y a également, oui, bah, là, ici, j'ai quand même mis la tablette. Il y a des personnes âgées qui s'investissent de plus en plus dans Internet, etc. Hein, ça peut être utilisé comme jeu ou bien comme coaching cognitif également. Il y a le groupe, bien entendu. Et alors, il y a les animaux de compagnie. Alors, je préfère, bien entendu, celui qui est à gauche que celui qui est à droite. Mais vous savez que dans certaines maisons de repos, on introduit aussi déjà des formes d'aidants proches robotisés. Hein, donc, ça peut être un soutien, mais ça ne peut bien entendu pas remplacer. L'activité physique. Alors, pour les aînés, ça, c'est un document qui nous vient du Canada. Et donc, je trouve intéressant parce que c'est « Soyez actifs à votre façon tous les jours. L'âge n'est pas une barrière et l'activité physique prolonge votre autonomie. » Donc, hein, on voit parfois des personnes âgées qui demandent « Oui, mais est-ce que je peux faire ?» Et donc, je pense que, bien entendu, il faut toujours se concerter avec le médecin traitant par rapport à ce qui est possible, mais il ne faut pas non plus être trop freinateur. Alors, ça peut prendre cette formule-ci, ça peut prendre cette formule « Oui, ici. » Désolé, le trouble, mais c'est parce qu'il était trop rapide, hein, à mon avis. Donc, Et alors, ça peut aussi prendre, dans certaines institutions qui se focalisent sur des personnes démentes, sur ce qu'on appelle les circuits de déambulation. Alors, vous voyez ici, ces circuits de déambulation qui permettent effectivement à la personne de se déplacer, de se fatiguer. Ça évite probablement, ça ne devrait pas exister, on pense que ça n'existe pas, des problèmes de fixation ou des problèmes où on enferme éventuellement les patients dans leur chambre. L'approche non médicamenteuse, il y a une étude du KCE 2011, donc il y a beaucoup d'investissements. Malheureusement, il y a beaucoup d'études, mais qui sont faibles. Vous voulez que j'arrête? Il ne reste pas 5 minutes? 2 minutes. Eh bien, que dire? Je vais aller très vite. Il y a des interventions. Si vous voulez aller voir l'étude du KCE, le problème, c'est que ce sont toutes des petites études qui ne démontrent pas encore de validité scientifique. Mais sur le terrain, on voit bien qu'individuellement, ça donne. Alors, il y a bien entendu la réminiscence, la validation, des interventions comme le snooze alone. Bon, il y a l'aromathérapie, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. J'ai presque fini. Alors, il y a les conseils d'aménagement pour des unités spécialisées. Et donc, vous pouvez aller voir le fait que, par exemple, quand on est dans un environnement qui est surstimulant, avec des grosses lumières, avec beaucoup de bruit, etc., c'est des palsants Alzheimer, on a des comportements agressifs qui sont beaucoup plus importants. Et ici, c'est, par exemple, une architecture dans une maison de repos au Luxembourg, dans beaucoup de moyens au Luxembourg, bien entendu. Et ici, ce n'est pas un effet de perspective, vous avez un couloir qui va en diminuant. Et s'il va en diminuant, c'est simplement pour amener les patients à prendre l'orientation spontanée, d'aller vers l'unité centrale, dans laquelle vous avez l'équipe soignante, entourée des espaces d'animation et de repas. C'est un espace qui est très, très, très éclairé, avec du mobilier qui est adapté. On n'a pas mis la photo de Beyoncé, on n'a pas mis Stromae en photo, mais on a mis des choses qui étaient en réalité avec l'âge des patients. Vous voyez aussi qu'on prend du mobilier qui est un peu vintage, et donc on ne vient pas non plus avec du mobilier extravagant. Il y a toute une série de possibilités pour retrouver sa chambre, des éléments que vous connaissez probablement déjà. En conclusion, c'est trouver un juste équilibre entre la demande du patient, j'insiste, et une réponse pluridisciplinaire à y donner. Information et communication, multidisciplinarité, investir dans des infrastructures accueillantes et adaptées, ça demande des sous, investir dans des ressources humaines, je vous ai dit que je donnerai des certains signaux, et bien entendu maintenant, décider pour une politique à long terme. Je vous remercie pour votre attention.